ce salut en peu du respect de la personne. Impeccable de chaque côté, c'est vraiment chouette parce que tout le monde a joué le jeu. C'était monsieur le cours par Rousseau, le ballon du match. Et on va pouvoir partir parce qu'il faut faire des pourcents ensemble toute l'attention sur les joueurs sur Vincent. C'est parti pour le ballon. Donc, qui a gagné, c'est Miribel qui se présente en ramassage. Ils ont défendu par le numéro 3 devant. Mathilde capitaine des opérations, Mathilde qui a d'expérience, elle s'est solide, elle s'approche pour le shoot et pour le but. C'est lancé et c'est ça récupéré. C'est récupéré pour Miribel, Miribel qui va lancer la contre-attaque, qui se met en vitesse à l'écran, ça va très vite, Mathilde se présente toute sa sorte. Boulangela Marina et toute son équipe devant ses sifflets. Et ce sera lancé, récupéré par les joueuses du Roumois. On décide de monter à la maison, on enlève la tête un peu, on construit son attaque du côté droit et ça y est, l'action qui est lancée, on galère très très vite, on s'en va sur les mains, on va la touche sur la droite, on décide de mettre un sur le même, on fait demi-tour, on rentre, reconstruire cette attaque, on organise dans le virage, Marina qui cherche ses coéquipières, on trouve sa numéro 2, Lara sur Marina, Marina, toujours Marina qui cherche des solutions, et on est bien du côté de Miribel, les joueurs sont tenaces, restent en possession de ce ballon. Déblie qui fait circuler ce ballon. Ça va très vite du côté droit, on attaque sur l'aile, la ballon de la capitaine, la petite passe derrière sur Clara qui était là. Voilà. Alors c'est bien du côté de Miribel, on met la pression, c'est Solène, et bien grosse pression, on peut faire en poste défensive. Alors plus encore les joueuses, elles sont actuellement en possession de ce ballon, l'équipe du Roumois, et c'est Clara qui enlève cette balle au centre, et la compétition, une balle pour l'équipe du Roumois. Elle est allée chercher dans les chaussettes, la balle, elle n'était pas tout à fait ajustée, ça va en tout cas, c'est la réduction du partir du score pour le Roumois, et là, 2-1, l'utilisation d'affichage, avec 7 minutes, ça va très vite de son côté. Regardez comme ces chevaux sont posés sur un, on déroule, c'est en hauteur, c'est bon, c'est bon. Le roi qui s'accorde cette priorité au ramassage. Et ce sera la numéro 3, Amandine. Amandine qui trouve Clara, Clara qui décide judicieusement de rentrer à la maison. Elle est suivie de près par la bouche de Miribel, la numéro 4, Mina. La balle dans les mains de la capitaine Amandine. Et ça y est, l'action qui est lancée, ça galope très très vite. Clara qui joue avec Marina, la petite maladresse. Au sol et c'est Clara qui se présente au ramassage. Et ça va, regardez le cap des chevaux, on a un équilibre sur ce qui est posé et on va dérouler, on va accélérer, on va faire les trois passes nécessairement, dans le but, bonne remontée en place, Raquel qui se sépare, une à l'autre, une à sa capitaine, Mathilde du boss. Mathilde qui contourne, grosse défense du côté de Roumois, c'est Gaël qui a déroulé. Mathilde de nouveau, voilà, on est sur ses pieds, en équilibre, on se fait complètement, on peut récupérer le moment de main, on s'est caché, c'est le bon tournée. Oui, le temps qui tourne, c'est Clara qui se présente. Elle est 4 lampes au milieu du ramassage, du moins qui récupère ce ballon. Voilà, les mains d'Amandine, la capitaine de cette formation, et on se fait manquer de près par la défense de Miribel. Cette défense, Julie qui trouve sa numéro 4, on passe sous les buts. En fait, tous les joueurs sont un peu bousculés par la solide défense de Miribel. On décide de rentrer à la maison du côté des joueuses de Rouen. C'est le moment de les encourager, les supporters. C'est Julie qui prend possession, c'est là où Julie qui lève la tête, qui trouve ses coéquipiers avec les mains de Mathilde. Mathilde toujours en possession, c'est bon, elle en passe à la possession. Attention, et l'intervention des arbitres. On voit bien qui va aller en Turquie. On se voit au bout de ces 14 minutes qui restent encore. Petit, il faut plus loin. On lui a envisé les minutes tout à l'heure. Cette fois-ci, cette fois, ça passe pas. Ça ressort. Le terrain, c'est Solène. Voilà, on est posé. On va finir sur les conseils de nos pères. De leur déroulé beaucoup. Qui ont une tenue fantastique, je trouve, avec le copain qui ont joué à fond, un chic parfait. Le côté droit, c'est bien. Sur le dernier mot du côté droit, petite frappe de lancer, c'est sifflé, c'est lancé, ce sera versé. Priorité de ramassage pour les joueuses normandes. Le roi qui récupère ce ballon, la balle qui circule dans les mains des joueuses normandes. Leur qui cherche des solutions. Le roi qui décide de rentrer à la maison, elle cherche ses coéquipières du regard. C'est Miribel qui trouve sa capitaine Amandine. C'est parti, l'action qui est lancée, ça galope très vite, la balle dans les mains de la capitaine sur la droite. Et la défense qui se referme immédiatement. On conserve ce ballon du côté de devant. Marina qui trouve Clara sur Emine. On lève la tête du côté droit au fond de terrain, on cherche des solutions, on construit cette attaque. Et c'est parti, Marina sur les jambes qui lance l'action, la balle au centre sur la numéro 7, recule sur Clara qui prend le centre et le shoot. Sur du côté que l'on peut dire soit dans patient, le premier rideau il part en avançant, c'est récupéré, c'est boxé, c'est tombé au sol. Un peu de confusion, c'était de vouloir tomber la priorité, alors on se bouscule devant. Se placer milieu de terrain 30 mètres pour remettre cette balle en jeu sur une pénalité 3. Il reste 2 minutes, donc rien n'est fait. 3-2 en faveur de l'équipe de Miribel et la balle en possession des joueurs de Rouen. La balle en main de la capitaine Amandine qui démarre sur l'aile. La petite passe qui recule sur sa numéro 6, Marina. Allez, on vient se faire arracher une balle. Trois blancs, on avait mis la main sur le ballon. C'était bénéficié à Miribel. Alors pour donner la voix du coq du Roumain, c'est pourtant Miribel qui est en tête. Petite décalage, très petite, comment ça suffit, mais c'est pas assez. Vous avez le jeu, c'est pas signé des favoris. Il reste 8 minutes 16 à peine dans cette première période. C'est bon match de l'équipe de France. L'intervalle qui va faire la différence, peut-être le décalage, c'est fait, le trou est là, et le shoot qui sort de l'avance. Marina qui n'a pas pu prendre son shoot. Mathilde, cette fois-ci, c'est une sortie courte. Il y a un appel de loin, est-ce qu'on a bénéficié de cet appel? On revient au milieu, on met la main sur le ballon, on est réussi. La capitaine de l'équipe de France sur le ballon, peut-être la contre-attaque. Amandine qui remet la main sur les vannes et qui décide judicieusement de rentrer à la maison avec Clara. Il reste 30 secondes, mesdemoiselles, 30 secondes. Construit l'attaque du côté de Rouen, le centre de virage. Et c'est Julie qui met les jambes, qui trouve Emile la balle. En retard, la frappe du côté de Rouen, Clara qui tente de shooter, ça passe à côté. La balle qui tombe au sol. C'est ça. Elles ont la main de mec, elles ont la main de la pédale. 3-2-9 secondes. Un shoot de loin, Patrick qui prend sa responsabilité. Ce shoot extraterrestre. Et c'est sifflé, lancé et ce sera la fin de cette première période. Très belle première mi-temps. C'est le premier de cette seconde période qui réalise la qualité de cette formation de représentation présente au ramassage. Un stage parfaitement effectué par la capitaine Amandine. Et la balle qui s'ajoute dans les ce disque lui donne à l'arrachage. Alors, on va tirer de toutes ses forces, intervention de l'arbitre. Il restera 8 minutes 30 dans cette rencontre et ce sont les joueurs sous moi qui sont en position de son avant la balle qui s'occupe bien. Les trois passes réglementaires effectuées et on décide de rentrer à la maison avec pas de solution sous ses gouttes face à la solide défense de Miribel et c'est Julie. Julie qui tente quand même et qui a raison. Julie qui passe quand même et qui inscrit sur le nouveau but. Quatre partout, on s'en fait d'égalité. Ah, c'est récupéré. C'est récupéré par le groupe, je ne sais pas ce qui s'est dit à la mi-temps Thomas, mais ça suffit à rebooster ces joueuses. Joshua actuellement en train de construire cette attaque, un peu embêté par la défense de Miribel, et c'est parti. On lance l'attaque du côté droit, je vais l'équiper sur les buts. Non, ça peut le faire. Là, on se voit l'attaque qui tombe au sol. Mais c'est pas récupéré par les joueuses de Miribel. Alors, c'est la dernière chose, c'est le but suite à cette faute aux joueuses de Miribel. Avant de se mettre dans la 4, bien défait. C'est un milieu de terrain qui va être mis en jeu par les joueuses du Miribel. C'est cela le match de Ligue. Effectué les passes réglementaires du côté droit, c'est Céline en possession de ce ballon. Et oui, il n'a que tout le temps. Ah, qui décide de rentrer dans la maison pour retranscrire cette attaque. On se fait un peu chahuté. On essaie de trouver des solutions. Un peu agressive, la balle sera remplie aux joueuses du Miribel. Alors on peut lâcher le bord sur le côté de Miribel, je suis pas sûr, elles vont essayer de récupérer le plus possible. J'en doute pas Thomas, mais je laisse la balle dans les mains des joueuses du Miribel. Elles sont prêtes à en découdre, elles lâchent rien, elles vont trouver, elles sont patientes ces joueuses. Et elles s'approchent des buts, elles cherchent des solutions, la balle dans les mains de Miribel. Elles cherchent des solutions, Mathieu retourne le coup, Mathieu qui s'approche. C'est récupéré par la capitaine, les fonctions qui font les transats réglementaires. Et la balle dans les mains des joueurs de 4, on se fait attendre de voir la défense. Il y a une pénalité. Oui, mais ça serait profitable à l'équipe tout le moins qui vont récupérer ce ballon et se placer à l'arrière de 30 mètres. Voilà, les mains de la capitaine à Martine. Il reste 15 minutes et c'est vous qui faites qui donner sur ce terrain de la boîte de mots. Les joueurs sur le droit qui meurent tout pour essayer d'aller demain affronter leur champ. C'est le moment de les encourager, les supporters du Miribel. Car en position de ce ballon, on touche Valentine. Sa capitaine avec la sur la marine qui est attendue. Et on met la main sur la balle. Du côté de Miribel, la tête attaque pour la balle. Et c'est bien du côté de Miribel. Pour le score, tout ça passe au but. S'il vous plaît, c'est joueur.